Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce nouveau bon plan sur GOG, toujours pour les soldes d'Halloween, je pense. Il nous offre un deuxième jeu après avoir offert le jeu dernier, je sais plus du tout le nom du jeu. Ces 3 prochains jours, il nous offre Jack Rabbit 2, qui est collection, donc qui est offert gratuitement sur GOG.com. Donc c'est un jeu d'aventure action plateforme sorti le 9 avril 1998. Il fonctionne sur Windows 7, 8, 10 et 11. Le jeu est disponible en français et ça c'est très très cool. Et donc qu'est-ce que contient Jazz Jack Rabbit 2 Collection? Il contient Jazz Jack Rabbit 2 The Secret Files et Jazz Jack Rabbit 2 The Christmas Chronicles. Voilà, avec voilà, c'est deux trucs qui, on va dire qu'il y a deux jeux en un. Et donc c'est un petit jeu de plateforme, hein, comme on peut le voir sur les images, qui a l'air d'être très 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 sympathique. J'en ai entendu parler de nom, mais j'y ai jamais joué à ce jeu. Donc pour récupérer ce cadeau, vous allez soit dans le launcher GOG Galaxy et vous cliquez sur découvrir et vous aurez ou alors dans boutique ici et qui vous amènera sur cette page. Vous avez dans le lien dans la description qui vous ramènera sur cette page via votre navigateur internet. Et vous descendez un peu et puis vous avez la petite bannière Jazz Jack Rabbit 2. Et vous cliquez sur oui, récupérer le jeu ici. Et ensuite, il y a un mail et vous l'avez dans votre bibliothèque. Voilà. Donc moi je vais aller dans ma bibliothèque GOG. Hop, je cherche Jazz Jack Rabbit 2 qui est là. Je sais pas pourquoi il est en deux fois. Ah, je l'ai peut-être sur. Ah non, c'est parce qu'il y a The Secret Files. Et The Christmas Chronicles. Voilà, il n'est pas en un, il est en deux jeux différents. Donc bah moi je vais installer The Secret Files. On va jouer sur Secret Files. Et puis voilà. Donc vous n'avez plus qu'à installer. Et nous on se retrouvera pour le gameplay de Jack Rabbit 2 The Secret Files. A tout de suite. Et de retour pour le gameplay de Jack Rabbit 2, le Secret Files. Et après il y a The Christmas truc, je sais plus quoi, mais voilà. C'est un jeu fait par Epic. Je pense parce qu'il y a le logo d'Epic, il y avait le logo d'Epic en bas à gauche. Donc voilà, alors c'était une plaie pour pouvoir enregistrer ce gameplay, donc j'espère que tout fonctionnera. Et donc on est parti pour faire une nouvelle partie, on peut jouer à plusieurs, mais je vais faire un jeu seul. Et on a plusieurs niveaux, on a The Secret Files, Formerly and Price, Jazz in Time, Flashback, Funky Monkeys, Home Cooked Levels et Shareware Demo. Donc on va faire The Secret Files. Et on a le choix entre trois personnages, Jazz, Spaz et Laurie. Donc on va jouer avec Jazz, vu que c'est le personnage du jeu. Et on a aussi le choix entre facile, intermédiaire et difficile. Je vais jouer en intermédiaire. Donc let's go, voilà, on est dans le jeu. Donc on peut sauter, on peut tirer. Ok. Bienvenue sur Jack Rabbit 2, The Secret Files. Ok. Ok, on peut tuer les espèces de. Bah, les tortues. Voilà. Donc, c'est un petit jeu de plateforme. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le jeu se joue à la manette. Je suis actuellement en train de jouer à la manette de PS4. Il n'y avait pas besoin de faire tout un tas de manip pour que la manette fonctionne. Ça, c'est extrêmement cool. Vous n'avez pas la possibilité de ruer. Alors, levez-vous pour mettez-vous en route. Hein? Ok, dégage. Vous n'avez pas. Ah non, c'est un panneau qui dit aller à gauche, ok. Donc là, il y a des petits bonbons. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Je suis déjà bloqué? Ouais. Alors on peut. Ok, est-ce qu'on peut faire du wall jump? Y a pas l'air. Ah, on peut faire un saut. Ok, il fallait briser ce bloc, ok. Pour le briser, j'ai fait le saut vrillé. La petite carotte que je peux pas récupérer. Comment je récupère cette carotte? On verra plus tard. Non, accroche-toi. Voilà. Mais... Ah, voilà. On peut rien faire là-dessus, non? On peut rien faire. Est-ce qu'il y a un truc en bas là-bas? Ouais, il y a une petite caisse. On a une bombe. On a des bumpers comme dans Sonic. Donc faut faire gaffe. Je
J'ai envie de voir ce qu'il y avait là-bas. Oh, on a une espèce de ruée. Ok, on peut courir vite. Ok. Oh, il y a des sandwichs. Ok, on va bouffer les sandwichs. Parce que les sandwichs, c'est très bon. Qu'est-ce que ça dit là? Seul space peut accéder à la pièce en haut à gauche. Il y aura peut-être besoin de quelque chose sur quoi monter. Ah, il n'y a que Paz. D'accord, moi je peux pas. Ok, mon perso ne peut pas. Donc chaque perso a ses différentes capacités. D'accord, ça c'est... Je trouve ça extrêmement cool. Je trouve ça cool que chaque personnage ait ses propres... Et ses propres capacités. Oh là là là. Ah merde. J'ai perdu un petit cœur. Enfin, je sais pas combien de... J'ai mes 4 cœurs. Non, t'es parti où? J'ai 4 cœurs. Non. Oh, ça va haut, ça va vite. Oh, mais c'est de la merde, ces trucs. Donc, en haut à droite, j'ai 4 cœurs. Il m'en reste... J'ai perdu un demi-cœur parce que je me suis fait toucher comme une merde. Ça, j'ai l'habitude. Je sais pas jouer aux jeux vidéo, vous le savez. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur cette chaîne. Pas de récompense pour ceux qui n'ont pas la main sûre. Voilà. Je récupère tout ça. Merci beaucoup, mec. Ah. Ouais, donc si... Ouais, je pense que si tu pètes les rondins, tu ne peux pas récupérer les gemmes. Les petits... Les petits... Comment ça s'appelle? Les petits bonbons, voilà, comme Halloween. Je vais pas aller trop vite parce que en allant un peu vite, on peut vite mourir. Non, je peux pas aller. Non, je peux pas y aller, ok. Ah bah, je peux y aller par là. Non! Comment j'ai réussi à monter tout à l'heure? Ok, comme ça. Ah, mais j'ai des bagues de merde. Non! Vas-y, va par là. Oh. Ok, récupère les gemmes. Voilà. Je peux pas changer de... Merde, de munitions. Non, ça, c'est le bouton pause. Ah, si, je peux changer de munitions, ok. Avec le bouton rond de la manette play, je peux changer les munitions, ok. Ah, y a du vent, j'avais pas vu qu'il y avait du vent, mais je suis d'accord, il y a du vent, c'est pour ça que je suis attiré vers la gauche. Je comprenais pas pourquoi mon perso allait tout seul vers la gauche. Mais parce qu'il y a du vent. Je pense à carotte, ça doit permettre de récupérer de la vie. Météo pour aujourd'hui, vent violent. Bah ouais, merci de me prévenir. Allez, par là-bas. Ah! Je pense pas que je puisse aller là-bas, si. Ou alors je suis obligé d'y aller. Bah, de base, je suis en plus obligé d'y aller. Ah, peut-être en courant comme ça, je me dis. Je me dis qu'il y a peut-être une possibilité en allant en courant comme ça. Non, non. Oh là là, je vais trop vite, je comprends rien à ce qui se passe. Non! Ah! Oh. Mais arrête! Jazz! Oh là là. Alors quand on court, ouais, on va extrêmement vite, c'est un peu compliqué de contrôler le personnage, comme vous pouvez le voir. Après, le jeu est plutôt cool à prendre en main. Pour un jeu sorti en 1997, je trouve... Ah! Extrêmement cool. Pourquoi à des moments il fait un double saut et à des moments il fait un saut simple? J'arrive même pas à atterrir sur une plateforme, vous vous rendez compte? Tac, tac, tac. Non, tombe pas.
Voilà, je vais réussir à passer. Je vais mourir. Il y a des pièces là, je les ai vues. Il y a écrit quoi? Manger trop d'œufs dans le chocolat peut vous rendre malade. Ok. Donc, allons prendre ces bumpers. Oh là là. Mais what? Je comprends rien de ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Oh! Je peux pas faire l'hélicoptère! Allez, on y était! Non! Non! T'as pas le droit! Allez, go! Non! Oh non! Toi, viens ici que je te bute, voilà. Il y a des trucs à bouffer ici. Oh non, je me suis fait toucher! Est-ce qu'on peut pas atterrir sur les ennemis tant qu'ils sont pas dans leur coquille? Ok. Je le saurai pour la prochaine fois. Ok, je récupère ça. Ok, il n'y a plus rien à faire ici. Voilà. C'est compliqué avec le... Oh, il y a une carotte. Voilà. Et ok, les carottes rendent bien de la vie. Oh non, non, pas ça. Oh non, c'est chiant ces trucs comme ça, les bumpers. Oh non, ça donne mal à la tête. SVP, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez le jeu, arrêtez s'il vous plaît. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, ça rend mal à la tête cette merde. Je suis bloqué dans une boucle infinie. Non, c'est bon, c'est fini. Oh. Désolé pour ce mal de crâne. Ça m'a donné très très mal au crâne aussi. Oh non, ça recontinue en plus. Non, j'essaie de tomber droit. Oh, j'ai pas réussi. Oh, putain, fais chier. En plus, ça va être long cette merde, ça va être long. Oh, désolé pour le mal de crâne. Désolé. Pour les clignotements de... Ça, c'est nul. Ça, là, les développeurs qui ont fait le jeu, c'était très nul. Mais non, je me suis fait toucher. Ok, on récupère des boîtes. Et... Comment je fais pour passer là, s'il vous plaît, le jeu? Ah ok, je peux mettre ici, ok. Hop. Ok, maintenant que j'ai compris comment monter... Non! Ah! Oh. C'est un peu compliqué. Parce que pour tout vous dire, le jeu ne prend pas en comment ça s'appelle? Tu ne peux pas utiliser la croix directionnelle pour jouer à ce jeu. Tu es obligé d'utiliser le joystick. Et à des moments... Oh là! Non. Voilà. Le joystick à des moments, c'est pas assez... C'est pas très... C'est pas très très précis. Pour faire des trucs. C'est fini? Besoin de deux pièces? Bah j'en ai deux non? Comment je te les donne? Ouais je les ai mais... J'en ai pas deux pièces? C'est ça tu vas me dire? Ah fallait monter ok. Merde. Bah je sais pas si j'ai les deux pièces ou pas. Ou alors si je les ai je sais pas. Ah peut-être attendez. Non, je sais pas comment lui donner. Faut faire gaffe là. Hop. Bousser sandwich, c'est très bien. Oh, il y a un truc là que je peux pas récupérer, ok. On peut pas aller plus vite si on peut aller plus vite sur les lianes, ok. Ça c'est cool. Qu'est-ce
qu'il y a écrit. Trouvez le coffre et dégagez votre chemin. Ok, il y a un coffre à trouver. Ok, le coffre il est là. Non, je... Ah ok. Il n'y a rien, c'est juste que je tombe. Ah mais je suis obligé de reprendre les bumpers de toute manière. Ah, je vais pas récupérer les... Ah j'ai fini. Je vais pas récupérer les gemmes, tant pis. Donc voilà, c'est la fin du niveau. On va s'arrêter là pour le gameplay de Jax. Et voilà, c'est le deuxième niveau. On a atterri direct dans le prochain dans le prochain niveau. Mais voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ce gameplay de Jack Rabbit 2 vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, partager et activer la cloche. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. C'était Link. Et n'oubliez pas, pas besoin de dépenser pour jouer aux jeux vidéo. C'était Link. À plus tout le monde. Bye bye.